le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans les titres, un haul action. J'ai trouvé deux petites nouveautés. Pour le reste, ce sont des achats totalement habituels. J'ai pris encore une fois le petit, les 4 rouleaux de sopalin. Hop, ils sont très très bien, il n'y a aucun souci, ils sont à 2,29€. Ensuite, je me suis repris un vase, le vase que j'avais pris la dernière fois dans mon ancien haul, le dernier que j'ai fait, le dernier haul, oui, pour chez moi, du coup. Parce que j'ai pris mon vase de chez moi pour remettre au salon et du coup, il m'en manque un à la maison. Donc, j'ai repris celui-ci pour la maison. Il est au prix de 6,95€. Comme je vous disais, faites attention, il est très très fin et il est fait en verre recyclé. Je ne sais pas si je vous l'avais dit dans l'autre vidéo, mais en tout cas, c'est du verre recyclé, donc ça, c'est cool. Ensuite, j'ai pris de la lessive. Cette fois-ci, j'ai pris la Super Croix Bora Bora. Donc, celle-ci est au prix de 5,29€ et vous avez 33 lavages. Ce n'est pas un gros, gros bidon, mais voilà, ça fera l'affaire. Je crois que j'en ai un peu trop dans ma machine, peut-être. Je ne sais pas, mais... En tout cas, j'ai l'impression que ça part super vite à lessive. Ensuite, ils ont refait enfin mes déodorants. Je porte toujours celui-ci et j'ai vu que je ne suis pas la seule parce que le rayon était déjà pratiquement vide. Ils l'avaient arrêté pendant un moment et là, ils ont enfin remis ce déodorant-là. Donc, je suis hyper contente. 2,59€. D'habitude, il était en petit. Maintenant, là, il est en grand. Mais voilà, rien de transcendant. Mais voilà, j'ai pris un mini. Je pense qu'il est mini parce que c'était le plus petit du rayon. Il était à 10,95€. Et j'aimerais bien faire mes petits tacos maison. Ça serait cool. Je voulais essayer de faire les tacos maison, mais j'ai pas de grille comme ça. Donc, j'ai pris ça. C'est la marque Alpina. Et voilà, apparemment, ils disent qu'il est garanti 2 ans. Mais je pense qu'il n'est pas garanti à Action. Il est garanti à la marque, je crois. Je sais pas comment ça fonctionne, les garanties à Action. Je ne sais pas du tout. Ensuite, j'ai repris un petit tapis de bain comme ça. Enfin, ce sont des tapis de bain, mais moi, je les utilise en protection sur mon bureau. Et en fait, il y a une action un petit peu antidérapante dessous, mais vous l'avez une fois, ça ne va plus, quoi. En fait, de ce côté-là, je sais pas, il doit y avoir un espèce de produit dessous qui empêche de glisser, mais une fois que vous l'avez lavé, je trouve que, voilà, quoi, ça disparaît totalement. Ils ne sont pas donnés, ceux-là, ils sont pris de 5,39€. Ils ont augmenté, je crois qu'ils étaient aux alentours de 4€. Mais franchement, ils font super bien sur mon bureau. Donc voilà, j'en ai repris un beige. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors ceci, je vais en refaire une story parce que c'est une mousse nettoyante pour le visage et il n'y a absolument pas d'huile à l'intérieur. Donc ça veut dire, les filles, si vous portez des extensions de cils, n'hésitez pas à acheter ça en guise de shampoing. Vous pouvez nettoyer vos cils, enfin vos extensions de cils avec ça. Et personne ne le sait, je crois. Donc ça vous évite d'acheter soit chez votre... chez votre technicienne, un produit qui va vous coûter beaucoup plus cher que ça. Là, on est sur du 1,99€ et vous avez quand même 150 ml en faisant de la mousse. Vous faites longtemps avec ça, donc franchement, n'hésitez pas à le prendre. Et pour vous nettoyer le visage, il n'est pas trop mal non plus. Mais voilà, en tout cas, je vais faire une story, je pense, pour mes clientes, qu'elles n'hésitent pas à acheter ce petit produit pour nettoyer leurs cils. Ça fait de grandes économies. Ensuite, j'ai trouvé une eau micellaire comme ceci. Plutôt un petit nettoyant visage pour... vous avez 400 ml quand même. Ouais, c'est plutôt cool. Vegan. 98% de produits naturels à l'intérieur. Donc, c'est plutôt pas mal. Cette marque-là, Alvira. Du coup, le petit nettoyant visage, c'est de la marque Alvira aussi. Et je crois, les lingettes démaquillantes, il y a pas mal de produits de cette marque. Et ils sont super bien notés. Et ils ont une très bonne compo, donc n'hésitez pas, franchement, top. 1,97€ pour 400 ml. Hâte de tester ce petit truc-là, je le testerai ce soir, je pense. J'ai repris ce petit truc-là. Alors, celui-ci est vraiment pas mal, j'en mets un petit peu dans mon linge avant de mettre ma machine en route. Et j'en mets un petit peu dans mon diffuseur d'air, vous savez, je vous l'avais dit ça. Et du coup, ça sent très très bon. J'ai choisi celui-ci, j'ai pas testé l'autre, il y a deux parfums différents. Mais j'ai pas testé l'autre. 1,97€ pour 250 ml pour celui-ci. Ensuite, j'ai pris un gommage pour le visage. Ça, je savais que ça existait déjà. Je crois qu'il y avait kiwi
Et je sais plus ce que j'avais déjà testé, mais la framboise, ça m'a attirée. Donc du coup, j'ai voulu prendre un petit gommage pour le visage, parce que je crois que j'en ai besoin en ce moment. Donc voilà. Ce petit truc-là est à 1,49€. Vous avez 75 ml à l'intérieur. Je sais pas c'est quoi au niveau de la compo, si c'est plutôt bien ou pas. 96% de produits naturels. Pas mal aussi. Pas mal, pas mal. Compos sont plutôt bonnes, hein, franchement. Ensuite, j'ai pris un désodorisant textile et j'ai pris parfum coton, je crois. Ouais, c'est du coton dessus, mais c'est écrit Bermuda Vibe. Ok, c'est des petits Febreze comme ça que vous mettez sur vos rideaux, vos tapis, vos textiles, tout simplement. Au prix de 3,34€ et vous avez 500 ml. Ensuite, j'ai pris ça. C'est un nettoyant pour la cuisine. C'est un nettoyant pour la cuisine, à la lavande et au citron vert. Vous avez 98% de produits naturels. C'est vegan. Il y a des huiles essentielles à l'intérieur. Et le packaging est recyclé. Donc ça, c'est plutôt cool. Il est au prix de 1,75€. Celui-ci, je ne l'avais pas vu. Alors, je ne sais pas s'il fait partie de la gamme. C'est la marque Your Green Home. Ah, ça sent super bon. Je pensais pas avec la lavande que ça allait sentir si bon, mais ça sent super bon le frais. Je pense que le citron vert prend le dessus, c'est plutôt pas mal. Et pour finir, j'ai repris juste de l'eau de Javel pour les toilettes de la marque Harpic. Et là, on est sur du 1,09€. Le prix n'a pas bougé pour ça. Donc voilà. Voilà pour ce petit haul action. J'espère qu'il vous aura plu. C'est pas un grand grand haul. Mais bon, j'attends vos réponses sur mon dernier vlog. Je vous ai posé la question, même si ce sont des petits hauls comme ça, si vous vouliez les voir ou non. Donc, j'ai pas eu la réponse. Donc, pour le moment, je vous l'ai fait. Si vous souhaitez ne pas voir quand c'est des petits hauls, n'hésitez pas à me le dire en tout cas. Je vous fais de gros gros bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine et passez une bonne fin de journée.